retour sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo organisation. Donc là, je vais m'attaquer à mon garde-manger. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que cette vidéo fait partie de l'opération Ramadan avec chaque jour un concours. Je vous invite donc fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos pour ne pas rater les prochains concours. Donc là, je vais m'attaquer à mon garde-manger qui avait bien besoin d'organisation, comme vous pouvez le voir. Pour tout réorganiser, je vais partir sur ces boîtes-là. C'est des boîtes, on appelle ça push-up. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour chasser l'air en fait. Donc ça permet de bien garder les aliments au sec. C'est assez hermétique. Je les avais déjà testées pour le cacao et la levure de boulanger. Elles étaient très bien, donc du coup, j'ai décidé de les utiliser pour tout le garde-manger. Sachant que confinement oblige, il va m'en manquer 4 je crois. Je me suis dit je vais quand même faire la vidéo, le plus gros est là. C'est pas 3-4 boîtes qui va changer grand chose. Pour les étiquettes, j'avais pas besoin de les faire moi-même parce qu'il y avait tout ce qu'il me fallait dans la planche que j'avais acheté pour les épices. Pour ceux qui veulent, j'ai fait un DIY qui nécessite seulement une feuille du scotch et de l'eau. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le petit i en haut à droite de votre écran. Alors il faut savoir que je les ai lavés la veille et que je les ai laissés bien sécher toute la nuit pour m'assurer que ce soit bien sec.
ranger mon stock, j'ai décidé de partir sur ces deux paniers là. Dans l'un des paniers, je vais ranger tout ce qui est épices. Je vais la faire à la Marie Kondo pour pouvoir voir ce que j'ai du premier coup. Et dans mon deuxième panier, je vais y mettre tout ce qui est fruits secs parce que je sais jamais où les mettre. Ça prend quand même pas mal de place. Et on a toujours du stock parce qu'on les achète dans un magasin qu'on ne fréquente pas souvent. Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des petits trous, mais ça vous donne quand même une idée globale du rendu. Donc j'ai mis les paquets ouverts juste derrière. Donc il y aura juste à remplir si besoin. La boîte de pépites au chocolat noir est vide. Donc il faut que j'aille en racheter. Vu que je les ai utilisées pour mes brioches d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de l'écran pour y accéder. Elles sont vraiment délicieuses. J'ai enlevé certaines choses que je vais disposer ailleurs, je ne vous en dis pas plus, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis assez contente du rendu, en tout cas tout est bien rangé, tout est bien organisé. Je vois d'un seul coup d'œil ce qui me manque. Le fait d'avoir mes deux paniers là-haut avec tout le backup épices et fruits secs, c'est vrai que je suis assez contente, c'est assez pratique. Au moins ça arrêtera de traîner ici et là. En plus, je trouve ça joli en plus. Donc maintenant, place au concours. Aujourd'hui, je vous fais gagner un lot d'huiles essentielles. Il y en a 6. Il y a donc la lavande, l'eucalyptus, l'arbre à thé, la citronnelle, la menthe poivrée et l'orange douce. Donc en fait, c'est un peu la base de ce qu'il faut pour les huiles essentielles.
donc elles sont 100% naturelles et sans additifs. Donc je vous invite à faire une capture d'écran de cette image et de la partager sur Instagram en me taguant et en taguant deux de vos amis pour participer à ce concours. Donc vous pouvez les utiliser pour les diffuser dans la maison, mais vous pouvez également les utiliser comme base lorsque vous concoctez vos produits ménagers. D'ailleurs, une vidéo arrivera bientôt où je vous montrerai comment moi je fais. Donc pour pouvoir participer à ce concours, il faut être abonné à mon Instagram. Vous trouverez le lien en barre d'infos, comme toujours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées pour réorganiser vos placards. J'espère que ça vous aura motivé, ne serait-ce qu'à y jeter un coup d'œil. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours.